Qu'est-ce que la prière ? Prier, c'est d'abord demander, comme quand on dit « je vous prie de bien vouloir faire ceci ou cela » ou encore « prière de se taire ». C'est demander, mais cette demande doit être formulée convenablement. On ne demande pas de la même manière à un ami, à ses parents, à un général ou au président de la République. On s'adresse à une personne selon sa qualité, en fonction de ses titres. Madame, maman, mon général, ou encore monsieur le président. Il faut joindre aux paroles une certaine attitude d'âme, manifestée extérieurement, qui convienne à cette demande. Un respect proportionné à la personne à laquelle on s'adresse. Il faut aussi parfois s'expliquer sur les raisons de notre demande. Surtout, il faut remercier quand on a reçu ce qu'on a demandé. La prière est donc bien plus large que la seule demande, même si le rapport entre celui qui prie et celui qu'il prie, qui est prié, le donateur actuel ou potentiel, bien ce rapport des deux personnes est au cœur de la prière. Par ailleurs, quand on se tourne vers quelqu'un pour le prier, on lui reconnaît une certaine supériorité. Il a quelque chose que nous n'avons pas, il peut nous donner ce que nous ne pourrions pas acquérir par nos propres forces, ou pas aussi vite et bien. La prière honore donc celui que l'on prie comme plus grand que nous. C'est pour cela que la prière est si intimement liée au culte divin, à la religion qui regarde la majesté divine, qui rend à Dieu l'honneur et la gloire qui lui sont dus. Les saints nous offrent un bon modèle de prière et des conseils pour la prière à la suite du Christ. Voyons donc ce que disent quelques-uns d'entre eux. Saint Jean Damascène la définissait ainsi : une élévation de l'esprit vers Dieu. Notez qu'en élevant son âme, c'est soi-même que l'on élève à Dieu, on s'approche de Dieu. On peut aussi attribuer à la prière en général ce que sainte Thérèse d'Avila disait plus spécialement de la prière d'oraison, la prière silencieuse et personnelle. L'oraison mentale n'est, à mon avis, disait-elle, qu'un commerce, c'est-à-dire un échange, un commerce intime d'amitié, où l'on s'entretient souvent, seul à seul, avec ce Dieu dont on se sait aimé. Quant au saint curé d'Ars, il racontait un jour qu'il avait rencontré un homme qui ne passait jamais devant l'église sans y entrer. Le matin, quand il allait au travail, le soir, en revenant, il laissait là, à la porte, sa pelle et sa pioche, et il restait longtemps devant le Saint-Sacrement en adoration. « J'aimais bien ça, dit-il. Je lui ai demandé une fois ce qu'il disait à notre Seigneur pendant ses longues visites qu'il lui faisait. Savez-vous ce qu'il m'a répondu ? Monsieur le curé, je ne lui dis rien. Je l'avise et il m'avise. Je le regarde et il me regarde. » Écoutons enfin sainte Thérèse de Lisieux, le plus grand auteur spirituel après les saintes Écritures et saint Thomas d'Aquin. Je dis tout simplement au bon Dieu ce que je veux lui dire, sans faire de belles phrases, et toujours, il me comprend. Pour moi, la prière, c'est un élan du cœur, c'est un simple regard jeté vers le ciel, c'est un cri de reconnaissance et d'amour, au sein de l'épreuve comme au sein de la joie. Enfin, c'est quelque chose de grand, de surnaturel, qui me dilate l'âme et m'unit à Jésus. Puissions-nous vivre cela ?